Bonjour et bienvenue. Nouvel épisode de Death Stranding. La moto, elle a bien souffert. On va se lever, on va repartir en expédition. J'espère qu'on va, à la fin de cet épisode, j'espère qu'on va se reposer dans une chambre privée, parce que je voudrais en fait retourner, moi, dans la première zone et faire des livraisons et tout ça. Je voudrais vraiment faire ça. Alors, on a 45 kilos bah c'est à la ville relais, oui, d'accord, bah c'est au retour, quoi. 45 kilos, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bricoleur. Ah, ville relais aussi, vieille image de guerre. On peut prendre... on peut prendre la version premium aussi, c'est vrai. Comment on fait pas la version premium? Je suis con ou... Ah oui, voilà, c'est là. C'est là qu'il faut sélectionner. 8 caisses de marchandises. Ok, ça marche. Et vous voyez, il y a le symbole en à gauche de écrit livraison. Là, il y a un symbole bizarre. C'est la première. Alors, est-ce que... On a un transporteur, donc à la limite, on peut mettre tout sur le transporteur. Je pense pas qu'on puisse utiliser la moto. Ça va faire trop, en fait, à transporter sur la moto avec... Ah, vous avez vu aussi... Attendez, on va revenir. C'est vrai que j'ai jamais montré... Mais c'est un peu comme Metal Gear. Solide. Il y a aussi Metal Gear... comment ça s'appelle ? Survive, qui faisait un peu la même chose. Vous voyez, il y a les caisses et tout disposées devant vous. Enfin, c'est comme... ouais, non, c'est le même menu, honnêtement, pour sur Metal Gear Solid 5, là, pour partir en mission. Mais c'est vrai que je l'avais jamais montré, en fait. Il y a Sam, il y a le transporteur, il y a la moto, mais il y a aussi toutes les boîtes, en fait, qui vous donnent à chaque fois. Ils vous les montrent, au fond. Donc ça aussi, c'est bien. On a un lance-bolas qui est complètement détruit. Ça aussi qui est détruit. C'est pas ça que je fais. Hop, décharger. Ah, les trucs qui sont détruits, on va les recycler. Je les ai mis par terre pour les identifier plus facilement. Hop là. Voilà. Et maintenant, on prend ça, 45 kilos. Donc, comme j'avais dit, l'émission principale d'histoire, il n'y a pas de premium, évidemment. Donc, il y a combien à mettre? Ouais, on va tout mettre sur le transporteur. Ouais. À la limite, on peut prendre la grosse caisse. Enfin, ça nous servira à quoi de prendre la grosse caisse en vieux support? Ouh! J'avais pas vu ça. On peut les mettre... quasi privé. On a qu'un seul spray. Ah oui, c'est vrai qu'on avait laissé le reste parce qu'on devait transporter la fille. Il y a une poche de sang aussi à virer. Spray colmatant sur le porte-outil. Grenade. Ok. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Alors déjà, partager s'il y a des choses intéressantes. Alors, spray colmatant. CCP2. Celui-là, il est abîmé. Poche de sang. Et bientôt vide. Très bien.
On va créer deux poches de sang, comme ça on est toujours à fond. Sans poche de sang 2. Et quoi d'autre? Un lance-bolas, non? Niveau 2. Alors, poche de sang, là. Le lance-bolas, on a qu'à le mettre sur le porte-outil. Et on est bon. On a sur le dos, on a un CCP et un spray. Avec grenade, grenade, spray et arme anti-échouée. On va échanger ça. Attendez. Pff, je me prends là. Ça sert à rien de faire ça en fait. Mais... Voilà. C'est juste pour avoir une sorte de d'équilibre en fait. On est bon. On est bon. De toute façon, honnêtement, il n'y a rien sur le chemin. Donc, let's go. Il y a peut-être des échoués, mais c'est tout, quoi. Allez, au revoir. Très bien. Donc nous, on doit aller... là-bas. Alors ce qui est bien c'est que le... comme j'ai dit, le transporteur flottant là, il a quand même une bonne vitesse en fait. Ça veut dire qu'il va, il va bien vous suivre, donc même si vous, vous allez vite, il va quand même bien bien vous suivre. Donc ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Par contre on va passer par le sol, enfin... Par le plat le plus possible. Après, si vous sautez tout ça, vous allez casser la corde, évidemment. Voilà. Ce qu'elle a mis déjoué. On va passer par... C'est quoi, ça? Ah, la moto. On va passer par l'échelle. Ah, putain, il y en a trois. Un peu loin. J'ai envie de dire, on pourrait peut-être... Oh putain, il y en a partout. On va en profiter. On est juste à côté, hein, pourquoi pas. On a des gros alliages, mais c'est super lourd. On va le mettre sur le dos. On peut mettre ça. Parce que ça, je voudrais bien le donner. Après, je sais pas si ça, ça passe. Ouais, non, 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 ça sera trop. Oh là là. Faites pas attention. On est jeune, vous voyez du jaune, c'est des mules. On est des mules. Là-bas. Il y a des mules partout, j'en ai vu. Vous voyez, sur le côté gauche. Partout. Il y en a vraiment partout.
Bon, allez, go. Ah, ils nous ont repéré. Ah, espèce d'enfoiré. Mon dieu, mais comment vous êtes super agressif. Comment je suis dégoûté, on vient d'abîmer le... Vous avez vu ce qu'ils nous... avec quoi ils nous visent? Ce sont des armes pour... des armes pour récupérer nos colis. Quelle merde. Je sais pas si ça a été cassé ou pas. J'arrive, j'arrive, bouge pas. Putain, je suis tombé. Non. N'a pas l'air con de glisser devant la mule. Tiens. Ok, c'est bon. Ça s'est un peu calmé. Oh, putain. Vas-y, fais-moi pleurer un peu. Vas-y, fais-moi pleurer. On a 2%. Je crois que c'est moins de 8% pour la premium. Donc je pense que ça va. Allez, celle-là aussi. Le spray colmatant. Alors, je vais voir. Hop. On va prendre les hautes densités. Non, pas ça. Non, c'est bon, parce que sinon on va être trop lourd. Vous avez vu que quand on se fait toucher, je pense l'avoir expliqué, mais quand on se fait toucher, il y a la barre jaune en fait qui se met par-dessus notre barre bleue d'endurance. Et si jamais elle est complètement vidée, en gros c'est notre barre de conscience en fait. On devient, ils nous mettent inconscient si jamais si jamais la barre jaune est vide. Oh, par contre, je voudrais bien une échelle. Non, mais... métaux... échelle là-bas. Ok, très bien. Oh, on a plus du tout de batterie. Ouais, notre poids maximum c'est 130.
Vous voyez que avec l'exosquelette de mouvement, là, de rapidité, de célérité, on passe à 150. Donc on a quand même 20 kilos grâce à ça. Mais là on est à 138. Oh, fait chier. Là du coup. L'échelle, on la garde. Le lance-bolas aussi, on va virer. Voilà. Doucement, doucement. Va pas tomber sur le... sur tout ça, parce que sinon... Oh la vache, je vais pleurer. Je vais complètement pleurer si on tombe par-dessus. Alors, un beau placement pour la l'échelle. Ah bah tiens. Bah, ça a l'air bien là. Ouais. Voilà, on a mis une échelle. On va prendre le pont et on devrait être bon. Je vois pas de mur. Non, je pense pas qu'il y en a aussi loin. Ouais, on devrait être bon. J'ai cru que c'était un camion, ça, là-bas. Vous avez vu par contre l'endurance maximum de Sam? Il y a une barre qui est partie, il y a 4 barres en tout. Et puis notre endurance là en ce moment elle se vide extrêmement vite. Parce qu'il est presque au poids maximum. C'est une mule ça? Non, c'est pas une mule. Donc ouais, on lutte un peu. On lutte un peu, mais on va y arriver. Album photo, réalisateur. Ah, du coup, les gants marchent plus non plus. Eh oui, si on n'a plus de batterie. Ouais, c'est logique. C'est stylé hein, ces boîtes noires là comme ça là, derrière. J'aime beaucoup. Hein. Hop, on reprend un peu d'endurance maximum. Non, on n'a plus rien. On a vidé la. On a complètement vidé la gourde. Ça aussi, encore une fois, on va comparer ça à Metal Gear Solid 5, mais c'est pareil. C'est que si vous faites un, si vous jouez par exemple comme moi, genre pas ce que je joue en ce moment maintenant parce que je connais le jeu, mais quand je découvrais le jeu et tout ça, je faisais très attention. Genre j'avais toujours de l'équipement, je tombais jamais à court de batterie, la gourde était jamais vide, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous faites très attention dans ce genre de jeu, ça se passe bien, vous avez vraiment jamais de problème. Et c'était pareil pour MGS5. Si vous équipiez avec des rations, les bonnes armes et tout, machin, ça se passait extrêmement bien. Et c'est ça que je trouve ça intéressant. Et après, si vous jouez un peu plus cool ou alors vous faites pas trop attention, si vous êtes mauvais en fait à planifier vos routes ou vos combats à venir, c'est compliqué. ça devient très compliqué. Et moi, vu que maintenant je connais le jeu, j'y vais un peu plus relax, quoi. Je mets moins de temps à prendre mon équipement, voire même des fois j'en prends quasiment pas. Et puis du coup, quand on combat pendant un moment, enfin quand on reste à l'extérieur pendant un moment, bah du coup on se retrouve genre la gourde est vide, il n'y a plus de batterie,
Sam il est extrêmement fatigué et tout ça. Donc c'est même pour quelqu'un qui connaît le jeu, ça... Comment dire, le gameplay il évolue et tout ça, c'est vraiment cool. Je trouve ça cool. Le gameplay s'adapte en fait. Vous êtes jamais dans le besoin, vous n'avez jamais de problème en fait. On va mettre tout ça. Vous n'avez jamais de problème, il y a toujours des difficultés en fait, mais vous pouvez toujours les surmonter avec tout ce que vous donne le jeu, quoi. C'est ça qui est bien. Ah ça, tu peux dire. Ah, j'espère qu'on a eu un S pour le premium. Je sais plus si c'était... Oh, personnalisation du sac à dos, yes. Ah, c'est bon, c'est bon. Les marchandises perdues. Yeah, Legend of Legend. Maître déménageur. So, his stuff you brought. Motor and a pouch. They're not like our usual supplies. New designs, like you heard. I think a junk dealer made this. Heard he was a pro, but even so, it's impressive work. I'll notify HQ and try to expedite evaluations. Just got the evaluation results from the people at the distro center for those prototypes you dropped off. Looks like both caught their eye. The motor, for one, was impressive. They really couldn't believe it was made from scrap. It can be fitted to a modified truck and be ready to go in no time. They contracted the junk dealer straight away and got it added to the list of supplies that can be fabricated. They had good things to say about the pouch, too. Contract has already been made, and you'll find the pouch in your private room. If you want to customize your backpack, you'll need to drop by one anyway. Anyway, I hope you appreciate what those two did for you, and give this new gear a try. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Je crois qu'on a des caisses, mais qui sont pas pour ici. Alors on va voir après. Ah, quoi qu'attends, on va d'abord peut-être se vider l'inventaire, non? C'est avec toutes nos caisses là qu'on a. C'est vrai que c'était aussi beaucoup plus simple quand j'ai parlé de ça, le fait d'avoir de la haute densité tout le temps. Attends, on va prendre ça. C'est quoi que j'ai mis? C'est la céramique. Ouais. Tout aussi d'avoir de la haute densité. C'est vrai que je me rappelle avoir pas mal joué sur PS4, mais c'était quand même très très long pour le spray. On va le recycler aussi. C'était quand même très très long pour construire les choses parce que du coup les mules et tout elles avaient pas autant de ressources. Donc c'était un peu compliqué. C'était long, non, tout simplement c'était long. Mais là c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Je me rappelle la première fois là sur PC. Enfin la dernière fois sur PC, c'est allé quand même nettement plus vite. Parce qu'on avait plein de ressources partout en fait. Donc ça c'est vrai. Alors on fait voir un peu ça va où tout ça. Ça va un peu partout autour. Donc on va peut-être le garder. Bon, par contre j'ai envie de donner tout ça. On va tout donner, puis après on va tout refaire. Est-ce qu'il y a deux sérités? Quoique... Enfin, tout refaire. Enfin, tout donner, non. Non, je vois pas pourquoi je donnerais ça. Mais ça, oui. Ça sera peut-être utile à des gens qui n'ont pas de ressources, voilà. Alors, fabriquer un équipement. Yes! Camion standard de Bridges alimenté sur batterie est capable de transporter d'importantes quantités de marchandises. Et ce qui est bien, c'est que comme vous le voyez sur le petit symbole là,
Il est protégé. Batroy s'épuise très rapidement parce que le camion traverse cours d'eau, court-circuit, poudre d'ailleurs, si le camion... Ah oui, si le camion est touché par les lances électriques, là, il va s'arrêter, évidemment. Mais le camion, en fait, il est protégé de la pluie, il protège de la pluie, donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et il peut transporter énormément. Je crois qu'il doit peut-être avoir 1000 kilos, un truc comme ça. Il peut transporter énormément de choses. Donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Et après, on aura genre deux autres types de camions, je crois. Camions avec des batteries supplémentaires et tout ça. C'est vraiment top. On va se reposer dans notre chambre. Je crois que Sam, il l'a bien mérité. Ça fait un moment qu'il s'est pas arrêté. Peut-être que je ferai la prochaine vidéo. On va voir comment ça se finit, celle-là. Peut-être la prochaine, on la fait dans l'ancienne zone, juste pour montrer... Enfin, je sais pas, pour montrer les choses. Avec le camion. Ou genre deux... Pardon, deux épisodes, comme ça. Genre où on n'avance pas dans l'histoire principale, c'est ça que je veux dire. Et puis... J'avais fait ça, des fois, sur... je crois que c'était Horizon Zero Dawn. Où j'avais fait... Genre, j'avançais tout le temps dans le... Oh, pardon. Sam. Don't know if you're aware, but you can customize your pack and your private room. Why not give it a try? Ok. J'avais fait ça, je crois que c'était Horizon Zero Dawn. Tiens, on a les nouvelles grenades et les nouvelles armes. Où il y avait deux épisodes, je crois, j'avais fait que du secondaire parce qu'on était à la fin du jeu en fait. Et je voulais finir pour avoir le. Genre la dernière armure ou je sais pas quoi. J'avais écrit comme quoi c'était des épisodes genre que avec histoire secondaire, pas de histoire principale, rien. Et les gens avaient apprécié que je le dise, quoi. Donc on va peut-être faire pareil. Parce que là, on a toujours avancé dans l'histoire, là, jusqu'à présent. Donc pourquoi pas un peu... Il y a les mollo... modifier la palette de couleurs, non. Attends. Voilà, personnaliser le sac à dos. Ça, c'est un peu bête, par contre, qu'il faille revenir en arrière pour pouvoir avoir l'option. Ça, c'est bête. Alors, fabriquer. Alors, on a une sacoche à grenades et batterie supplémentaire. Cool. Alors, la batterie supplémentaire, elle prend beaucoup de place. Ça, c'est un peu chiant. Elle prend beaucoup de place. C'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est 10. 10 emplacements. 10 petits points. Donc ça c'est un peu embêtant, mais c'est vrai que une batterie supplémentaire ça pourrait être pas mal. Parce que pour l'instant on n'a pas vraiment de véhicule avec des batteries supplémentaires, donc on pourrait utiliser. Et après sacoche à grenade, ça c'est cool par contre. Ça c'est cool, accessoire, on a le moulin à vent. Petit moulin à vent, les bébés l'apprécient particulièrement, cet accessoire semble améliorer leur humeur et les prémunir contre le stress. Donc ça réduit l'augmentation de stress, c'est bien ça. On peut aussi changer la palette de couleur. Personnellement, moi j'aimais bien rouge. Pardon, j'aime bien rouge. Alors, attends, on va se remettre là. Comme ça reste focalisé sur le truc. Mais c'est vrai que c'est un peu voyant, donc on va peut-être mettre blanc pour le moment. À chaque fois, ça prend des ressources hein, de créer ça. Donc on pourrait faire ça. Quoique non, en fait c'est deux. Ah, vous voyez, il y a des grenades dedans, on peut les voir. Ouh, cool, j'avais jamais fait gaffe. Attendez. Parce que j'aime bien avoir une logique dans le sac, ça m'embête quand tout... Genre, des trucs comme ça, des sacoches à grenades qui sont comme ça, pas droites, ça me trigger. Ça me trigger. Donc, attendez. On pourrait peut-être faire un truc plus joli. Ça va m'embêter, ça. Genre avec la prise électrique sur le côté, comme ça, batterie. Et après, on met des poches à grenades sur le côté. Non, en fait, c'est deux, c'est pas un pour les grenades.
Voilà. Alors après, on peut mettre une pochette de plus. Mais je vais pas la mettre parce que sinon ça va faire moche. Et ça va m'énerver. Donc là, comme ça, c'est pas mal. Je pense. Donc ça va être comme ça. Voilà. Tout simplement parce que ça fait moche. Moi, ça m'énerve. Examiner le stock, maintenant on peut le voir. Voilà. C'est plutôt sympa comme ça. Après, on enlèvera la batterie. La batterie, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment très très utilisé, honnêtement. Alors, fais voir un peu ça. Alors, on a deux emails très importants. On va d'abord regarder données, vite fait. Astuce. Oh. Ah, au fait, on est en... J'aurais dû en parler la dernière fois. On est en 2021, ok? On est le 19 de janvier 2021. C'est au moment où je fais la vidéo. Il y a eu encore des mises à jour sur... parce que j'en avais parlé il y a récemment. Horizon Zero Dawn sur la version PC. Parce que comme j'ai dit, c'était une catastrophe la version PC qui crachait et tout ça. Et il y a eu une mise à jour qui est sortie. Et il y a même les développeurs en fait qui ont dit qu'ils allaient... ils y allaient plus doucement en fait sur les mises à jour. Ils allaient moins se pencher sur Horizon Zero Dawn PC. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de travailler sur le deuxième jeu. Je trouve ça, de dire ça, c'est inacceptable. Le jeu, je l'ai payé 60€ quand même. Enfin, je crois que c'était 50 sur Steam. Ou 40 peut-être. Enfin bref, je l'ai payé plein prix. Je l'ai pas eu gratuitement. Donc quand un développeur me dit « Ah mais on passe sur un autre projet, désolé. On va faire de l'argent ailleurs, donc on va moins regarder sur celui-là. » Je trouve ça inadmissible. Je trouve que ça il devrait même pas le dire. Parce que pour moi, Horizon Zero Dawn PC, je l'ai payé plein prix. Moi. Et moi, il a fait que crash. Il crachait... Enfin... Il y a eu au moins 5 mises à jour pendant que j'y jouais, pendant le laps de temps en fait que j'y jouais. Et aucune mise à jour a vraiment corrigé en fait les crashs. Donc je trouve ça inadmissible de sortir des choses comme ça. Quoi. Et on va regarder les emails. C'est un peu comme Cyberpunk avec « Oh, on est désolé que le jeu ne marche pas ». Et puis après, on disait « Oh, c'est nous hein, qui avons donné l'ordre de sortir le jeu ». Donc en gros, vous saviez que le jeu ne marchait pas. C'est bien. C'est vraiment bien de dire ça. Vraiment marrant. Mon dieu. Enfin bref. Alors, ça m'embête de vous demander ça, grand fan de Half-Life que vous êtes, mais j'aurai encore une marchandise à vous demander de récupérer. Je pense que ça va être la fin de notre vidéo, ça. C'est les deux missions à faire. Alors, un cube. Ok, santé passe avant tout, évidemment. C'est la tête. Hein, à vrai dire, je me repose un moment. Non, ok, ça marche. Alors, enfin bref, revenons à nos moutons. Pour trouver le cube, rendez-vous à l'abri du bricoleur. Puis dirigez-vous vers l'ouest-nord-ouest. What? Vous devriez atteindre une usine en ruine sur le bord d'une autoroute. Ah, j'ai peut-être une idée. Le cube devrait être là. Quand vous l'aurez trouvé, apportez-le au centre de distribution. Oui. Ok, peut-être que j'ai une idée d'où c'est. Alors, reprends ma puce au mule. CJ, tu te souviens de moi? Pas de mémoire défectueuse. Je dois bien avouer que vos systèmes de livraison ne sont pas du tout après les avoir piratés. Ils sont pas mal du tout après les avoir piratés. Ok, ça marche. Alors, acceptez la commande et j'ajouterai les dernières infos sur ta carte. Pour le reste, en revanche, faudra te démerder. Localiser les puces, c'est une chose, mais pour les récupérer, il faut une enveloppe physique. Il faut une enveloppe physique, je ne pense pas, je ne suis pas, donc ça va être compliqué pour moi. Quand tu seras prêt, la commande t'attend. Bon, elle, c'est facile parce que c'est une commande. Et ça, c'est une commande test. Commande de récupération et commande test. Ok. Avant ça, on va se doucher, tout ça. Ça fait un moment qu'on n'a pas pris de douche. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Faut que je regarde la carte après. Voir le cube où il peut être. Mais on peut accepter l'autre.
On peut accepter l'autre commande parce qu'il n'y a pas de temps. On va un peu zapper les choses parce que c'est vrai que ça... C'est un peu long. Là aussi on va avoir au moins 10 grenades. Ah non, 2. Bon, d'accord. On pourrait y aller avec le camion aussi. On pourrait crafter un camion. Enfin, créer un camion. La dernière. Donc ici on n'aura que des bières maintenant. Très bien. Ici on n'aura que des bières. Allez, on y va. Hundreds of millions of years ago. There was just one big continent. And do you know what this is? The moon. I'll show you the real thing soon. I promise. You'll be able to go wherever you want. Even the moon. Alors je laisse laisser ça là, mais il y avait écrit passé et je m'en rappelle. On l'a déjà vu. Donc s'il y a d'autres trucs comme ça qu'on a déjà vu, je les passerai automatiquement. Vous avez vu maintenant notre sac? Avec les poches à grenades et tout ça. Donc du coup on peut faire ça. Enfin, même on peut passer comme ça en fait par ce menu là. Placer dans les poches à grenades. Voilà, ça fait des boîtes en moins. Par contre, je me rappelle plus de combien en fait. Je crois qu'une poche égale une boîte, tout simplement. Je crois que c'est ça, c'est une poche, une boîte. Donc, du coup, on va pouvoir se. On va pas s'en priver. On en a mis 2, il nous en reste quoi? 4 encore? Donc on pourrait faire ça, encore 2, et après on va faire bombe neutralisante 2. Bah, normalement c'est tout dans la... Voilà, hop, c'est bon. Sacoche à grenade, 6. Ouais non, c'est ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, non c'est ça. Donc on a 4 hématiques et 2 fois bombe neutralisante. Voilà, donc maintenant on a tout ça déjà en armement. Après, je crois qu'on va pouvoir avoir... vous avez vu, même ça, ça a changé de couleur. C'est lié au sac, en fait, sur le côté. Là. Je crois qu'on va pouvoir des chargeurs en plus et tout ça. Et des poches de sang en plus aussi. En parlant de poches de sang, il nous en faut une. Il nous en faut une. Voilà, ça, c'est très bien. Ah, qu'est-ce que ça me plaît, moi, de... Tout ça, là. Ok, donc on a ça encore sur le transporteur. J'ai envie de créer un camion. Alors déjà, on va essayer de trouver... ah, il nous faut un lance-bolas et tout ça aussi. Il nous faut un lance-bolas. Alors attends, c'est pas ça. Comment ? Non, pas ça non plus. Putain de merde. Alors, rendez-vous à l'abri du bricoleur, puis dirigez-vous vers l'ouest-nord-ouest. Alors l'abri du bricoleur, c'est... Couleur, c'est là, là-haut. Ok, ouest, nord-ouest. Ah, oh, je crois que c'est là. Je crois que c'est ça.
Je crois que c'est ça. Madras, je vais pas faire ça. Je crois que c'est ça. Pour devriez atteindre une usine en ruine sur le bord d'une autoroute. C'est ça, c'est ça. Oh putain, il y a des BT à fond là-bas. Oh, c'est BT-Land. Ok, c'est BT-Land. On va y aller en camion. Ouais, non, c'est... Je déconne pas, c'est BT-Land. Intéressant, intéressant. Et après, nous, on veut... Alors, ça doit être une standard. Non, ah non, c'est peut-être une SAM. Canon collant et cosplay. Ah, canon collant, c'est ce qu'on a vu. Les mules, elles les utilisaient. Donc, on va pouvoir les crafter... Enfin, les créer après ça. Mais ce sera après. Donc, standard... Il nous faut fragile, ration alimentaire, texte. Il n'y a pas le truc de V. Métaux, plantes comestibles, résine, alliage spéciaux, pesticides, ornements avec cristaux chiro. Texte sur l'histoire américaine daté d'avant Death Stranding. Ration. Comment ça? Tu as dit que c'était une commande, mais est-ce que c'est vraiment une commande? Demande de récupération, reprends ma puce aux mules. Accepter la commande et j'ajouterai la dernière info sur ta carte. Pour le reste... Ils vont bien à l'abri dans une de leurs boîtes de stockage, mais je ne te connais... T'es du genre à aimer les gros défis, hein. J'ai pas raison. Ah, la commande t'attend au ville relais du lac. Ah, attends. Ville relais du lac. Ah, du coup, c'est... Oh, putain. Ah, du coup, c'est là-bas. D'accord. Alors, on va voir si on peut pas faire plusieurs choses en même temps. Alors, la cosplayer, je vais pas la faire maintenant. On va faire ça. On va aller récupérer tout ce qu'il faut pour le canon collant. Et après... Déjà on va faire ça, un camion. Alors pour le canon collant... On va prendre une arme dans le premier chou. On va prendre ça deux fois. CCP... Très bien, modifier appel de couture. Voilà, moi j'aime bien comme ça, gris et noir, je trouve ça cool. Après, on peut changer, on peut faire ce qu'on veut, mais j'aime bien gris et noir. Moi. Ok, on va tout mettre dans le camion. The sticky gun is a weapon that launches an adhesive projectile. Gun and projectile are connected by a wire which can be engaged to pull in targets. It's strong too. Could support up to several dozen kilos. You can use it to secure cargo at a distance. Right out from under a mule's nose, maybe. You're a clever guy, so I'm sure you can think up a few other applications. Just comes down to how creative you can get. Alors ça, on va pouvoir les utiliser, l'utiliser sur contre les mules. Charger sur le véhicule. On va charger aussi ça. Véhicule. Ah oui, sur ce véhicule de Bridges. Attendez, il est où le véhicule? Il est là. Vous voyez, ça, c'est le... la charge qui est dans le véhicule. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. Le transporteur. Le transporteur, on va peut-être le garder dans le dos. Ah, le bolas, je l'ai mis dans le véhicule, non? Très bien. Là, on va faire plusieurs choses. Vu qu'on a un camion disponible maintenant,
On va pouvoir faire pas mal de choses. Au bricoleur, on doit y passer. Oups. Au bricoleur, on doit y passer. Donc, on va prendre la... la version premium. J'aurais dû regarder le reste. Voilà, très bien. Vous avez vu, vous pouvez... Là, on vient de mettre 100 kilos hein, dedans, je crois. Vous voyez, on peut mettre énormément de choses dans les camions. C'est vraiment cool. On a tellement à faire, je sens qu'on va même pas finir la vidéo. L'ancien, j'ai pas envie d'y aller. Là non. Ça oui. Premium, je veux juste qu'il n'y ait pas de temps en fait. Moins de 3%, livrer 2 caisses de marchandises, c'est très bien. Encore une fois, on passe. Ça aussi c'est bien, à chaque fois ils vous mettent les menus, les différents menus. Genre l'équipement, l'armement, puis après... le véhicule. Ok, donc d'abord, on va aller récupérer les 90 kilos là-dedans. Et puis après, on va aller... Attendez, je vais effacer mes marqueurs. Voilà, on va remettre marqueur là. Ouais, on va d'abord aller voir ça. Et après, on va aller au bricoleur. D'abord, parce que je sais pas si ça m'a remis du courant pour. Ouais, non, ça m'a tout remis à fond. Ça. Il y a des ponts un peu partout, ça va. Il y a un mec qui a pas mis. Soyez pas comme ça, ok? Soyez pas comme ça. Je sais pas si c'est moi ou pas, mais ça m'étonnerait quand même. Voilà. Laissez les cordes en bas, ok? C'est quand il y a quelqu'un qui doit la prendre et tout ça, qu'il est en bas. Ça m'est déjà arrivé. Soyez gentils. Très bien. On avait laissé quoi là-bas? Ouais. Ça aussi, vous avez vu que les noms se séparent automatiquement. C'est vraiment pratique. On va passer par le dessus. Quand vous vous arrêtez. Donc ça aussi, vous pouvez voir très très facilement ce qu'il y a. Là. Faut le faire dans la direction du trou. Donc vous avez vu. Ah oui, regardez. Vous voyez, vous détruisez la les hautes herbes quand vous passez avec un camion, donc faut faire gaffe. On s'est fait voir. C'est pas grave. Juste là. Enfin, on s'est fait voir. On s'est fait entendre en fait, surtout. Elle se demande pourquoi il y avait un camion. Très bien. Yo. Il y en a deux qui sont en alerte. Elles sont des prototypes de canons collants. Oh merde! Merde, j'en ai une derrière.
M'attrape pas. Ah, non, ça va, je suis con, donc ça va, tu m'as attrapé. On va toutes se les faire comme ça, ce sera beaucoup plus safe en fait pour la cargaison. Très bien. Une qui arrive. Là, je crois pas que je l'ai. Ah si. Quoi ce bruit? Oh, ça a été tagué en fait. Ok, elles vont venir alors. Enfin, s'il y en a aux alentours, elles vont venir. Bon, on verra en temps venu. Ouais, tout ça, ça a été tagué. Parce que c'est des cargaisons importantes et du coup, ils veulent les garder. Je garderais bien le transporteur accroché à moi, mais j'ai peur que une mule en fait de loin me balance une lance. Donc on va rester loin de la cargaison pour le moment. Ah oui, on peut tester ça du coup. Alors attendez. Alors honnêtement, le canon collant, j'ai toujours peur de l'utiliser. Mais ça marche comme ça, ça se lock déjà automatiquement en fait sur la cargaison. Et après vous pouvez faire ça. Et après il faut l'attraper en fait. Donc faut faire attention. Vous voyez? Donc faut avoir un bon timing quoi. Ah, par contre je voulais pas mettre ça sur le dos. Vous pouvez faire en fait, comme d'habitude, c'est ou triangle ou alors L2, R2. Donc c'est ou le dos ou main droite, main gauche. Vous pouvez le faire automatiquement. Donc c'est vachement bien. Ah, voir l'historique du propriétaire. Mule, dernier propriétaire en date. J'ai jamais fait gaffe qu'on pouvait faire ça, c'est vrai. Non mais... déchargé. Donc vous voyez, ça peut être pas mal. Ah oui, non, c'est parce qu'il y a toujours le détecteur en fait. Enfin, il y a toujours l'onde en gros. Spéciaux. Je pense qu'on est bon. J'avais vu un. Ouais, ça. Très bien. Bombe neutralisante, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'on est bon. Allez, ça va, on va prendre avec nous. Ok. Densité. On a tout ? On a 6 sur 6. Vous m'excuserez, on passe par ça, hein, parce que ça va plus vite quand même. Voilà. Ça aussi, on va garder dans le dos. Vous m'excuserez, hein, ça va un tout petit peu plus vite comme ça.
Mais ouais, c'est pas mal ce truc. Faut juste... Faut juste bien le timer, quoi. Puis si vous le timez mal, bah, ça passe derrière vous, quoi. Et ça s'abîme. Voilà. C'est assez violent, hein. Moi je suis étonné qu'on se le prenne pas dans la gueule. Par contre, je suis assez étonné que Sam finisse pas par mourir d'une caisse dans la gueule. Oh, il y a une mule juste là en fait. Elle vient de... Ah, je crois qu'elle a fait tout le tour de la zone pour venir. On voit un peu. Putain, elle est en train de... Non! Elle est en train d'aider les autres. Elle va se coucher là. Porteur en provisoire, possibilité de traverser cette zone. Cool. Mais bon. Ouais, ça devient plus intéressant quand même le système de combat maintenant. Quand on commence à avoir de l'équipement. Mais encore, on n'a vraiment pas les armes à proprement parler encore. Hein. Ça arrive, ça arrive. Alors, on va prendre ça. Alors là, on a de l'alliage, mais c'est des gros trucs à chaque fois. Alors, je crois qu'on est limité aussi, un peu comme le premier. On n'est pas limité vraiment en poids, je crois. Enfin, quoique, il y a sûrement une limite de poids, mais on est surtout aussi limité en emplacement. Donc si on peut mettre plein de petites caisses, genre haute capacité, là, ce serait vraiment le mieux. Mais si on commence à mettre des gros trucs comme ça, ça va vite être la merde. Il y a un lance-bolas là qui est abîmé, enfin qui est presque vide, on va le décharger. D'aller voir là. Ah oui, alors un truc à savoir aussi. Un truc à savoir, les camions peuvent pas se renverser. Enfin, les véhicules en général, je crois, dans Death Stranding ne peuvent pas se renverser. Alors, attendez. On a des échelles là. J'y crois pas, quoi. Fallait, il s'est... il a perdu l'équilibre. Doucement, doucement. Non, c'est bon. Fallait faire bien ligne droite. Quel con. C'est pas grave. On pousse. On peut passer par là. Ça me sert un peu à rien, j'ai l'impression, l'échelle. Ce qu'il y a. Il y a quoi d'autre? Presque à fond. Alors un truc que je voulais faire, mais bon là on en a trop, on va pas le faire. Mais un truc qu'on pouvait faire, c'est genre mettre toutes les boîtes en fait au bord du précipice là, sauter de l'autre côté, tout simplement, et après utiliser le truc collant.
simplement utiliser le canon collant, mais on va pas le faire parce que... On en a trop, ça mettrait... On va mettre 20 minutes. Voilà, très bien. Doucement, doucement, doucement. Il tangue un peu le canon, j'ai l'impression. Poche de sang, on va la décharger. Regardez le collant. Voilà. Camion plein. Enfin, plein. Camion avec beaucoup de choses. Non, on va se casser. On a récupéré les objets. On va peut-être s'arrêter là parce que si... ouais non, sinon ça va faire trop long. On va peut-être s'arrêter là. Comme ça on vide le camion. Comme ça on vide le camion. Et on continuera. On ira chercher notre cube. Ah, par contre, le cube, il va falloir revenir ici. Ah, oh, c'est chiant. Ah, oh, c'est pas grave. Très bien. C'est pas grave, on recommence... enfin, on refera des allers-retours, c'est pas grave. Alors, j'ai vu qu'on avait une livraison à faire ici. Voilà. Après le reste... ...98 si on voulait... Je sais pas si on le fait nous-mêmes ou pas. Il n'y a pas bricoleur en plus. Non. Ancien, j'ai pas vraiment envie d'y aller. L'ingénieur, j'ai pas envie vraiment d'y aller non plus. Non, j'ai pas vraiment envie de me prendre... On va les donner à nos collègues, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête. On est déjà allé sauver tous ces colis là des mules, c'est déjà bien. Ah, je suis content parce que là, honnêtement, enfin, j'ai pas envie de dire que bah, ça y est, ça commence à être fun et tout ça. Moi, j'adore depuis le début le jeu de toute façon. Mais plus on a du matos et plus ça devient intéressant. Donc, c'est vrai que c'est un peu le bon côté des choses d'avancer. Je suis vraiment content. On peut faire plein de trucs maintenant. Et encore, comme j'ai dit, on n'a pas toutes les armes et tout ça. La batterie chargée, là, c'est bon. Camion réparé, tout est bon. Ouais, donc la prochaine fois, on va prendre le cube. On va sûrement devoir revenir ici. Et après, on ira à la ville relais sud et on fera la mission de V. Je vois un peu les emails. Merci d'avoir livré le prototype. Et vous avez vaincu les mules. Très calme ces temps-ci du côté du centre de distribution. J'imagine que vous avez remis les mules à leur place. J'aimerais bien savoir comment vous avez réussi un truc pareil. Ça aussi, c'est des emails qu'on n'aurait pas hein, si jamais ça se passait mal, en fait, avec les mules. Tiens, il faudra changer nos bottes. Faudra que je pense à faire ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.
Donc la prochaine, ça sera, on commencera directement par deux missions spéciales, une pour Half-Life et une pour V, pour Cyberpunk. À la prochaine, ciao.